Je veux que le message là aille loin. Plus Monsieur Eli Kamano arrive à regarder cette vidéo là pour comprendre ce qu'il pense, pour comprendre le jeu qu'il est en train de faire. Oui, voilà, la famille, maximum de partage, s'il vous plaît, maximum de partage. Parce que les gens, ils pensent que oui, on parle parce que on est une, comment on dit ça, on est ethno. Non, nous ne sommes pas des ethno. Nous, on défend la Guinée. Vous comprenez, non? On défend les Guinéens. Donc, quand un Guinéen est victime, on est obligé de le défendre corps et âme. Voilà. Bref, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire à Monsieur Eli Kamano. Monsieur Eli Kamano, vous voulez que nous, les enfants, on vous respecte. Vous voulez que les Guinéens vous respectent. Et vous voulez, et vous, à votre place, vous voulez pas respecter nos parents. Vous voulez pas respecter nos élites. Vous voulez pas respecter nos héros. Après, vous voulez que nous, la nouvelle génération, on vous respecte. Mais explique-nous, comment est-ce possible qu'on peut vous respecter? Mais on ne peut pas vous respecter. On ne peut pas vous respecter. C'est sérieux, on ne peut pas vous respecter. Parce que si vous voulez du respect, on peut vous accorder maximum de love, maximum de respect. Mais vous ne respectez pas. Vous ne respectez pas. Deuxième personnalité du pays, mais comment est-ce possible que nous, les enfants, on peut vous respecter, mais on ne peut pas vous respecter. C'est impossible pour la nouvelle génération. Monsieur Eli Kamano, si réellement tu es un combattant, tu veux te battre, tu devrais te battre contre Monsieur Alpha Condé. Tu devrais te battre contre son système. Tu devrais dénoncer ce qui se passe en forêt en 21e siècle 2021. Ça n'existe nulle part. Ça n'existe nulle part ce qui se passe en forêt en 21e siècle. Les Malinkés vous colonisent là-bas comme des esclaves. Les Malinkés, ils vous mettent la pression à les Kissi qui sont en forêt de parler la langue malinké. Hein? Tu es activiste ou bien tu es panafricaniste. C'est ta communauté. De défendre ta communauté, c'est pas parce que tu es ethno. Non? Tu n'es pas ethno. De défendre ta culture, tu n'es pas ethno. Mais pour ceux qui pensent que sa communauté est plus que les autres, pour moi, c'est ceux-là qu'on appelle des ethnos. Mais pour défendre ta communauté, ça, ce n'est pas l'ethnocentrisme. Je pense bien. Mais ta communauté, la communauté qu'ici, aujourd'hui, en forêt, ils ont opprimé de leurs droits. Oui, ils ont opprimé aujourd'hui de leurs droits. Oui, c'est pourquoi en 21e siècle, quand vous prenez 100 Kissi, il y a 98 Kissi qui parlent la langue malinké. Vous savez pourquoi? C'est une pression de la communauté mandingue. Oui, c'est une pression de la communauté mandingue. C'est pourquoi vous n'en verrez jamais plus grand, jamais. Un Kissi qui ne parle pas malinké, ça n'existe pas. Peut-être c'est 2% ou bien 1%. Mais Eli Kamano, moi je pense bien que vous êtes meilleur placé. Vous êtes meilleur placé de parler de ça. Vous êtes meilleur placé de parler de ça. Vous comprenez, non? Vous êtes meilleur placé pour en parler de ça. Yeah, man. Mettez les cœurs, les gars. Si vous voulez, mettez les têtes de mort, comme vous voulez. Mais moi, je suis Guinéen. Je défends les Guinéens. Aujourd'hui, les gens s'attaquent à Ella Seloudel Ngianlo aujourd'hui. Parce que tout simplement, il est peul. Oui,
C'est ça qui est la vérité, parce que tout simplement, il est peul. Regardez, aujourd'hui, en 21e siècle, deuxième personnalité du pays, un gamin, hein? Ousmane Yelo l'insulte comme il veut, Eli Kamano l'insulte comme il veut, comment il s'appelle? En tout cas, les petits du quartier même l'insultent comme il veut. Mais le gouvernement, la justice est dans le pays. Ils disent rien. Ils disent rien. Après, M. Eli Kamano dit que oui, tous les militants de UFDG lui ont insulté. Demandez, M. Eli Kamano, si un jour, un membre, ou bien, je vous dis bien, un responsable du parti UFDG lui a insulté. Ça n'existe pas. Comme mon compatriote frère Jibril Hadji a posé la même question à Ousmane Yelo. Ousmane Yelo, est-ce qu'un jour, un membre ou bien responsable de UFDG t'a insulté? Ousmane Yelo a dit carrément que non, un responsable du parti ne m'a pas insulté. Mais ceux qui disent qu'ils font partie du parti UFDG, c'est eux qui m'insultent. Mais ça n'a rien à voir avec Cello. Ça n'a rien à voir avec Cello. Un beau matin, boum, Eli Kamano se réveille avec des attaques. Oui. Avec des attaques sur Ella Seludel N'Diallo. Parce que Ella Seludel N'Diallo est devenu votre collègue, votre camarade. Et pourtant, le monsieur là, il n'a rien fait du mal. Il t'a fait quelque chose de mal, Eli Kamano? Non. Nous tous, nous t'avons vu. Quand tu partais chez lui, tu n'as pas honte de ça. Hein? Tu n'as pas honte de ça. Quand tu partais chez lui là, tu n'as pas honte de ça. Après, c'est venu dire que oui, c'est les UFDG, les militants de UFDG en train de m'insulter dans mon inbox un peu partout. Et Eli, tu n'as pas honte de ça. Hein? Tu dis que oui, c'est Ella Seludel N'Diallo qui a vendu votre avion que monsieur le premier président de la République, Ahmed Sékou Touré, a laissé. Si c'est vrai ce que tu dis, hein? Mais il y a la justice. C'est la même parole que les communicants de RPG Arc-en-Ciel aussi, en train de tourner un peu partout. Dès que les communicants de RPG Arc-en-Ciel passent seulement, ils disent que oui, c'est Seludel qui a vendu notre avion. La preuve est où? On est en 21e siècle. Preuve est où? Hein? Preuve est où aujourd'hui? Quelqu'un qui a vendu votre bien commun, mais pourquoi vous ne pouvez pas le convoquer à la justice? Hein? Pourquoi vous ne pouvez pas le convoquer à la justice? C'est un citoyen, il n'est pas au-dessus de la loi. Il n'est pas au-dessus de la loi. Mais s'il a fait quelque chose, mais vous devrez le convoquer à la justice guinéenne. C'est ça qui est la vérité. Au lieu de venir gueuler tout le temps, ouais, c'est celui qui a vendu Air Guinée, c'est celui qui a ramassé ou bien qui a, je ne sais pas, démonté les rails. Ah, tu n'as pas honte de ça. Et pourtant, tu courais derrière ce monsieur-là. Allez le commander. Ah, Eli. Mais vous voulez le respect. Vous ne voulez pas respecter nos parents. Hein? Vous ne voulez pas respecter nos parents. Si on vous insulte, vous dites que oui, les Guinéens sont mal éduqués. Mais comment est-ce possible que nous sommes mal éduqués et que vous, qui ne respectez pas vos tontons, vos grands frères, vous voulez que nous, la nouvelle génération, on vous respecte comment? Mais explique-nous, on ne comprend pas. Explique-nous,
Comment est-ce possible que nous, la nouvelle génération, on peut vous respecter? Celle vous a fait quoi? Rien de tout. Rien de tout. Parce que les militants de UFDG en train de t'insulter, toi aussi tu viens de t'attaquer à celui qui a fait du bien pour toi. Celui qui a acheté tant de billets de voyage pour vous. Eh, Eli. Mais sois un sage quand même. Hein? Tu as passé tout ton temps en critiquant Takana Zion ici, devant les Guinéens, de traiter Takana Zion comme un drogué, de traiter Takana Zion comme un fou. Mais aujourd'hui, la vérité est là. Toi et Takana, qui est le plus fou? Toi et Takana, qui est le plus démagogue? Si tu cherches une place au gouvernement, il faut chercher la place. Tu es un citoyen libre, mais il ne faut pas venir insulter l'autre. Non. À la prochaine fois que tu vas insulter, on va t'insulter père et mère. Parce que nous sommes tous des Guinéens. Personne n'est plus l'autre que l'autre en Guinée. Nous sommes tous égaux en Guinée. Nous sommes tous égaux en Guinée. Nous sommes tous égaux en Guinée. Oui. Sinon, ton combat là, c'est clair. Tu as un combat devant toi. Ta communauté aujourd'hui est l'esclave de l'oppression de parler la langue malinké devant toi. Hein? Ta communauté, Eli Kamanou. Ta communauté est victime aujourd'hui de l'oppression de parler la langue malinké. Hein? Tu n'as pas honte de ça? Tu n'as pas honte de ça? Il faut faire le combat comme les autres. Vous comprenez, non? Comme les autres l'ont fait. Mais il ne faut pas venir t'attaquer à un individu tout le temps que oui. C'est lui qui a vendu Air Guinée, c'est lui qui a vendu les rails. Les preuves est où? Les preuves est où? Et pourtant, tu as oublié ton combat. Ton combat est là. Tu devrais conscientiser la jeunesse forestière, au moins. Tu devrais le faire parce que c'est ta communauté. Personne ne peut t'empêcher pour ça. Parce que pour défendre la communauté, c'est pas l'ethnocentrisme, ça. Oui, pour défendre ta patrie, c'est pas l'ethnocentrisme, ça, mon cher frère. Tu comprends, non? Il faut avoir la fierté de défendre ta communauté. Moi, à mon jeune âge, quand je vous dis mon âge, tu ne peux pas me croire. L'autre fois, quand j'ai dit mon âge ici, il y a plusieurs personnes qui ont venu dans mon inbox qui me disaient que non, c'est faux, c'est pas ton âge là, parce qu'ils voient mes barbes. Et barbe là, c'est sunna. C'est sunna, Nabi alayhi salatu wa salam. C'est pas parce que j'ai des barbes et je suis vieux, non? Jamais. Donc, monsieur Eli Kamanou, mets l'eau dans tes veines. Ok? Mettre l'eau dans tes veines. Et celui n'est pas ton égal. Tu n'es pas égal à celui en Guinée. Tu n'es pas égal à celui en Guinée. Essayez de moderniser encore ton combat. Tu es venu tromper la jeunesse guinéenne en disant ou bien en faisant croire la jeunesse guinéenne que oui, tu fais le combat, tu fais au moins le combat pour la jeunesse guinéenne. Et pourtant, tu trompais la jeunesse guinéenne. Aujourd'hui, la raison est là, la vérité est là. La vérité est là. C'est Takana que tu lui traitais fou. Mais tout le monde a vu le combat de Takana aujourd'hui. Il fait le combat, il continue sa musique tranquillement. Tu as arrêté la musique pour faire le combat, pour s'attaquer à un seul individu. Et pourtant, le seul serpent que la jeunesse guinéenne devrait couper sa tête, c'est seul M. Alpha Condé.
C'est lui seul. C'est lui seul. Oui, c'est lui seul. Mais comme les Guinéens, vous êtes bêtes. Mentalement, physiquement, spirituellement, vous êtes bêtes, les Guinéens. C'est moi qui le dis. Vous êtes bêtes. Vous êtes des alphabètes. 85% ou bien 95% des Guinéens sont des alphabètes. Ou bien un opposant qui n'a même pas une case en Guinée. Comment est-ce possible que lui, il peut être un président de la République? Où ça existe? Ça n'existe nulle part. Amuna dead and a wongwa yine bombo klat, motherfucker. I don't give a fuck, man, bro. Ça n'existe nulle part. Un opposant qui n'a même pas une petite case. Une petite case. Qui vient vous diriger. Hein? C'est pourquoi nous on dit à les gens que je pense pas si Dieu existe en Guinée. I'm sorry, vous m'excusez beaucoup, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Sinon, un opposant qui n'a rien foutre dans votre pays, on a tongo, on a fini de menger à Ouroigny. Quelqu'un qui a fait quelque chose en Guinée, qui a tant construit en Guinée, tu viens l'insulter matin, midi, soir. Mais on vous dit tranquillement, tranquille, tu continues comme ça. Tu verrais les Guinéens sur ton chemin. Je t'assure. Tu continues comme ça, tu verrais les Guinéens sur ton chemin. Parce que nous, sans distinguer les ethnies en Guinée, on est tous égaux. Soussou, Peul, Forest, on est tous égaux en Guinée. Personne n'est meilleur que l'autre en Guinée. C'est ça qu'on appelle l'ethnocentrisme. Ah, c'est Rouni que vous êtes dans ma communauté d'Ngigira. I don't give a fuck. La communauté d'Engin de motherfucker, la communauté. You are better than me. Your community, our community is better than community for who? Hein? La communauté d'Engin de la communauté. C'est ça qu'on appelle l'ethnocentrisme. Quelqu'un pense que oui, ma communauté est plus que la communauté des autres. Hein? C'est pas bien, frérot. Voilà. C'est pas bien. C'est pas bien. On voit les Guinéens s'attaquent à un seul individu, les communicants de RPG Arc-en-Ciel, et vous les autres aussi. Hein? Vous comprenez, non? Amuto Fanaki, Owamawo attaque Femerima, le seul serpent en Guinée, c'est M. Alpha Condé. Parce que c'est lui, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas d'où ses ancêtres ont quitté. Mais comme certains malinqués sont bêtes dans la tête, quand tu parles d'Alpha Condé, ils pensent que oui, tu parles des malinqués. C'est pourquoi les malinqués ont tombé dans la danse politique en Guinée. Mais Allah ou Alam, c'est Dieu seul qui sait. Le prochain régime, si la communauté là, oui, n'allait pas subir tout ce qu'ils ont fait, le régime d'Alpha Condé. Parce que quand tu parles d'Alpha Condé, les malinqués viennent s'attaquer. Oui, il est malinqué. Donc, vous aurez responsabilité, Tongo, comme c'est vous qui disent qu'il est malinqué. Donc, après lui, on va vous sombrer en Guinée. On va vous montrer qu'en Guinée, là, personne n'est plus l'autre que je ne sais pas, non, on a fallu de qui en arrêt. Voilà. Mouriomou d'Angabo, la Guinée. Donc, la prochaine vidéo, c'est pas du buzz et c'est pas du clash. C'est juste un rappel pour M. Eli Kamano. Il faut que tu mettes l'eau dans tes veines. Voilà, on est tous des Guinéens. Moi, je ne suis pas Peul. Foule Muntana. Nga sosue, mba sosue. Nga sosue, mba sosue. Mais je suis libre de défendre un Guinéen. Voilà. Et fin de ethnie yora. Parce qu'avant tout, c'est la Guinée. Avant tout, c'est la Guinée. Donc, madame Faka, kata, erreur le fanyefe.
arrêter de t'attaquer à ce monsieur-là parce qu'il a sciemment fait à les Guinéens. Vous comprenez, non? Il a sciemment fait pour les Guinéens. Donc, comprenez que, oui, quelqu'un qui a tant fait pour la Guinée et pour les Guinéens, ouais, on va comprendre que Nathan est la marabigna. Voilà. Donc, la famille, essayez de transmettre ce message-là à Elie Kamano. Il n'a qu'à comprendre. La prochaine vidéo, s'il ne respecte pas, nous aussi, la nouvelle génération, on ne va pas le respecter. Si c'est des gingires, on va l'insulter matin, midi, soir, père et mère. Mais on ne va pas l'insulter parce qu'il a fait quelque chose pour la couleur rouge, jaune, vert. Donc lui aussi, il doit respecter. Donc dans la vie, c'est hiérarchie. C'est hiérarchie. Donc il doit respecter les autres aussi qui ont tant fait pour la couleur rouge, jaune, vert.